quand tu es méchant et que tu aimes quelque chose, c'est ce qu'il a poussé, peut-être ce jour-là, tu tuer. Dans la Bible, là, Dieu nous enseigne des choses pour nous faire comprendre des leçons. Dis à ton voisin, c'est ce que tu aimes, la béatitude. Ah, il faut le dire, ça va t'aider. Le dernier, nul n'est venu avec quelque chose sur terre. Ceux qui aiment une voiture, puisque tous ces voitures-là viennent les tuer. Non. Ce que tu aimes là, tu ne fais pas à conscience. Tu devais sans. Tu ne veux pas qu'on t'écoute. Tu ne veux pas qu'on te conseille dedans. Mais non, mais quand quelqu'un aime quelque chose, quand quelqu'un aime le portable. Il y a un enfant qui a tué ses parents, il n'y a pas longtemps pour le portable. Oui, en France, il a tué le portable. Il y a un enfant même. Il a tout cassé aux États-Unis à cause du portable. Il y a un enfant qui a tué 16 ans. Ils l'ont recommandé, 16 ans, il a tué son père, il a tué sa mère, il a tué. Ce que tu aimes là, tu deviens esclave de ça sans la rencontre. Le but de Dieu, c'est que nous ne sommes pas esclaves de ce qui se passe sur terre. Tout ce qui est sur terre est éphémère. L'argent que tu as est éphémère. Ta beauté que tu as est éphémère. Ta taille que tu as, c'est éphémère. Même ta vie est éphémère. Il n'y a rien sur toi qui est durable. C'est la grâce de Dieu qui te permet de durer. Tiens, ma mère. Ce que tu as, que tu aimes plus que Dieu là, c'est ce qui peut te tuer. N'a pas aimé la